Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Ludovic Winkler et nous allons parler didgeridoo. Salut Ludovic, alors plusieurs cordes à ton arc, n'est-ce pas? Apparemment, oui, effectivement, bienvenue chez moi, dans mon local, où bah, tu peux voir, il y a plein de trucs un peu autour de moi. Voilà, donc moi je suis musicien, je fais du didgeridoo, du corn bass, du live looping et du beatbox. Et principalement avec un projet qui s'appelle Popcorn avec un K, avec deux danseurs, et on fait des spectacles un peu partout dans la région. Voilà. Donc Ludo, tu es également professeur de musique, donc tu apprends divers instruments à tes élèves, Exactement. comme par exemple. Donc par exemple, bah, le didgeridoo, ça a commencé en 2018 avec mes premières classes, les premiers élèves, avec une école de musique qui s'appelle la boîte à frappe à la Chaux-de-Fonds. Et ça a continué ensuite avec Son et Musique à Corteillot, et ensuite avec Ton sur Ton actuellement. Et là, je donne des cours de beatbox aussi et de live looping. Donc c'est mes premières leçons, mes premiers cours avec mes premiers élèves. Et je suis trop content, c'est trop bien à faire. Mais tu es également président, alors. Il paraît, ouais. Du coup, je suis président d'une asso qui s'appelle D-Loop Music Création, qui va probablement changer de nom bientôt en Dance and Music Creation. Donc c'est une association qu'on a créée avec Philémon Flukiger, Paula Jiménez et plein d'autres copains là autour pour bah, soutenir des projets artistiques de la région, faire de la promotion régionale. Et voilà, on est en train de travailler sur plein de projets hyper bien et on se réjouit de les présenter d'ici 2022. Donc on est à fond, on a nos locaux, on commence à bosser en mode ultra pro et ça c'est chouette. Et j'ai également entendu parler de 10 mois 10 concerts. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce projet? Alors, c'est un projet qu'on a monté avec l'association D-Loop Musique Création. Et le but, c'est d'aller en fait offrir des prestations d'un spectacle professionnel dans des EMS et se balader comme ça en Suisse romande, peut-être alémanique, chaque mois dans un EMS différent pour voilà, créer un spectacle vraiment sur mesure pour les établissements et pour voilà, créer du lien avec les résidents, avec le personnel soignant, essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et l'objectif de tout ça, c'est de créer des vidéos et de raconter un peu notre histoire, notre aventure au travers d'un documentaire qui devrait arriver 2022. Voilà, ça c'est le gros projet de l'association sur lequel on travaille activement en ce moment. Et alors ça, Ludovic, c'est un... Ça s'appelle un cornbass. C'est un instrument tout nouveau. On est 10 sur Terre à en jouer, très officiellement. Et ça vient de Bretagne, inventé par un fabricant, un facteur de didgeridoo breton. David Defoy d'ailleurs. Alors un grand merci, Ludovic, pour ce moment passé avec toi. On te souhaite bon vent à l'association, à tous tes projets. Et on reste... Neuchâtelois. Je reste Neuchâtelois. Je reste Neuchâtelois.